Et là, ça aurait été un petit souci. De l'expertise quand même, parce que vous tout de suite vous changez de sujet. Vous étiez très habile avec votre bouche il y a quelques instants. Ah, ça, il paraît que. Qu'est-ce qu'on mange, Lara? Monsieur Zabra, il faut assumer ses qualités. Hein. Très bien. Et on a des détails ou... J'ai un grand garage, comme vous pouvez voir. Ok. D'ailleurs, on se fout toujours de ma gueule quand je chante. Elle fait des grimaces et chante fort. Mais ça m'aide dans certaines circonstances. Ça nous laisse... Je suis très mobile du faciès. Voilà. C'est le party parce que j'ai besoin de me consoler, parce que c'est la dernière fois qu'on va travailler ensemble, puis je suis pas comme ce soit la dernière fois. À la page numéro 1, vous écrivez « Gabriel, vite ami, a-t-il dédié que le secret, il est mieux, c'est tout ». C'est votre amoureux? Oui. Ah, bah vous le dites à tout le monde, donc on peut en parler quand même. On va pas en parler du tout, mais... On va même pas en parler une minute, mais... Oui, c'est vrai. Et une autre question? Mais non, je sais pas. Je vais vous faire le lapin. Pardon, Lara fera le lapin. Je peux faire le homard aussi. Lara fera le homard. La semaine prochaine, c'est moi qui vais engager comme animals de foule. Hey, je suis drôle, plus personne le sait. Je fais le homard pour tout le monde, OK? Checkez-moi faire le homard. J'ai fait le homard pour tout le monde pendant que vous autres, vous aviez du fun. Là. Le homard. C'est drôle, ça. Le fait bien. On devrait faire un duo de homard, toi puis moi. Ah oui, oui, c'est ça. J'avais oublié que c'est impossible à mettre dans la bouche. Alors? J'ai un grand garage. Ça devrait aller. Monsieur, excusez-moi. Yeah. Are you an actor, sir? Are you? You're not an actor. I'm sorry. Je me suis payé une honte nationale. Non. Plaisir. C'est une joke entre toi puis moi, tu la garderas. Mais c'est ça, chaque fois que tu mettras des boules dans tes mains, tu penseras à moi. Peut-être pas chaque fois. Une bombe, c'est belle, mais une bombasse, c'est plus belle que belle. Si Lara Fabian avait être une bombe ou une bombasse, ça voudrait être quoi? Charlie Stone. Moi, je l'ai vu en vrai à Cannes. Je ne dis pas que j'aurais reviré ma cutie, mais quand même. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir, au-delà de cette chance, je dirais même parfois cet honneur, de partager la scène avec des hommes ou des femmes qui, pour certaines... Je ne sais pas pourquoi ça vous a fait rire, monsieur. De partager la scène avec des hommes ou des femmes. Est-ce une petite joke de sexe? Parce que partager avec des hommes ou des femmes, en étant tout le monde le sait, je reste quelqu'un de très ouvert. Ça, c'est moi. Ah, c'est moi. Ça, c'est toi. Bonne nuit. Ah oui. Hein? Attends. Oh. T'as pas d'herpès? Non, ça va. Vous demandez ces choses-là. Le dernier objet que vous avez acheté. Le dernier objet que vous avez acheté dont on peut parler. Non, c'est pas. Enfin, je suis pas bégueule, hein, mais je vous le dirai si c'est un vibro, mais c'est pas ça. Non. Vous avez quand même essayé. Oh, un crucifix ou je sais pas. Ah oui, ça marche moins bien.
Cocotier, cocotier. Dad, fais-moi mes chaussures juste pour que j'ai pas l'air d'une naine. Ça fonctionne pas quand je remets ça en place. Parce que moi, je veux avoir une belle robe pour la finale. Donc, vous avez un surnom. Donc, le côté organisé, c'est quoi? Vous avez un surnom, il paraît. Vous pouvez le dire au public ou pas? Parce qu'on nous l'a dit. Hein. Non, je ne sais pas. Je ne sais plus. Marie Frotte-Frotte. Oh. Frotte. Oh. Frotte. Oh. Une émission, Les Échangistes. En France, est-ce que vous auriez accepté l'invitation? Au début, j'ai pas tellement compris. En fait, je me suis demandé si c'était le sens premier ou si on était dans le second ou le troisième sens. Donc, je me suis demandé s'il fallait rentrer en disant « Alors, est-ce qu'on baise? » Ça, c'était bien chanteuse. Oh, mon Dieu, ça. Regarde ça. Deux mains. J'y crois encore. Cherchez mon pyjama! Mon pyjama! C'est des bonnes questions. Chut! Ta gueule! Je te regarde. Bravo, Anthony, attends. Est-ce que tu veux me refaire, s'il te plaît? Refais-moi, Anthony. J'ai rien dit, on l'aura pas. Si, vas-y, le mentaliste. Si vous trouvez l'expression, là... Ah, moi, c'est débile, mentaliste. Cocotier! C'est un comme caca. Cocotier. Je préfère me planter, faire quelque chose, me planter et me dire j'aurais pas dû, plutôt que me dire ah si je l'avais fait. Do you speak a lot of languages? I speak a few languages. How many do you speak? Well, I speak four languages and Italian is my mother tongue. That's the first language I ever spoke. Because four? Yeah. That's four more than I speak. Tu parles combien de langues? Correctement, sans devoir y réfléchir, quatre. Italien, français, anglais et l'espagnol. OK. So it happened this way. Hi, it's Barbara Streisand. Oh, and yeah, of course, and it's, I'm the Pope. And I hung up. Le téléphone sonne, elle parle en anglais. Elle fait, is this Miss Fabian? Je dis, oui, absolument. Je fais, who's this? It's Barbara Streisand. Et j'ai raccroché. Tu fatigué, là? T'as dit, moi. Faut être naturel, faut faire comme si t'étais pas là. Hein? Moi, tu penses qu'on l'oublie, cette affaire-là, mais tout est là, OK. Ça suffit. Ça suffit parce que je vais m'énerver, là. Puis quand ça va me poigner, là. De la transmission pure. Dans la transmission, c'est transmetteur, c'est de transmettre une émotion. L'alignement holistique, il y a un alignement. Vous arrêtez pas de me faire pleurer. Ah, en tout cas. Bon, avisé. Arrête, je vais vous pleurer. Oui, mais. Mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? T'es une fille émotive, sensible. Tu peux... Tu connais la joke, hein? La reine part du garage, se lève puis elle pleure. Ah oui, c'est ça? Marie. Comme on dit chez moi à Montréal, c'est moi qui joue dans mes culottes, c'est pas les autres. C'est comme on dit au Québec, c'est ça qui est ça. C'est complètement identifié culturel relativement au Québec. Oui, parce qu'au Québec, parce que nous, au Québec... Québec et... Des fois, le monde fait, mais retourne-y! Terrence, time to be face-to-face. Enough of the nonsense. Non, c'est vrai, t'as raison. Welcome to the show. De près, t'es bien, c'est bien. Attendez, je vais voir mon talent. Enchanté. Bonjour, mon talent. Mais je pourrais être sa mère. Ça de quoi tu bien. Parles? Non, mais ils me font passer pour la fille qui drague. Je suis pas en train de draguer. Je suis pas en train de draguer.
C'est le genre de moment où tu regrettes que ce soit à l'aveugle, en fait. Faut le dire. C'est le genre de garçon, lorsqu'on le regarde performer, ça doit être complètement solaire et complètement lumineux. Tu veux dire qu'on oublie sa voix, c'est ça? Voilà, je le dis, tu vas être mon plus grand regret de toute la compétition. Joël, elle me versait du vin, Puis moi, deux verres, là, puis je suis à table. Mais tout de suite. Puis là, comme j'avais rencontré mon mari, je pense, comme quelques mois avant ça, j'avais de l'entraînement, je pense. Oui, mais c'est vrai, il faut l'assumer. J'ai un grand garage. Faut que je l'assume, cette femme. Arrêtez ça deux minutes! Ça se peut-tu? J'ai un verre de vin et je fume un truc. Qui goûte la vanille. Vous fumez vraiment? Non, j'avale pas la cigarette. Voilà, ça a été précisé, mais comme vous êtes. Voilà, j'avale pas, d'accord. C'est la faute aussi tout à l'heure avec cette bouche énorme. Et voilà, donc c'est vrai que c'est très amusant. C'est très amusant de l'espace d'un instant, devenir quelqu'un d'autre. Ouais. Ah ouais!